Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Alors, chers frères et sœurs de l'Église de Dieu de la prophétie du canapé vert, en vertu de ce qui précède, je vous promets d'être aux côtés de notre pasteur titulaire, le révérend Samuel Osico, ici présent, d'être un pasteur sensible pour vos âmes et prêt à vous enseigner et à vous prêcher, à vous conseiller et à vous guérir, à vous paître avec douceur. Mon cher pasteur Osico, merci de la confiance placée en moi. Me recommandant à l'évêque national de vous suppléer dans vos multiples tâches. Je continuerai à travailler avec révérence et dans l'humilité pour la croissance spirituelle et physique, quantitative et qualitative de l'Assemblée. Je vous promets de continuer à imiter votre leadership et votre sens de responsabilité collective et partagée, afin que notre congrégation émerge davantage dans cette dite communauté évangélique. En définitive, je tiens à remercier le Dieu Trinitaire pour la confirmation officielle de mon ministère pastoral. Je remercie également notre évêque national, le révérend docteur Jean-Claude Dorléans, pour avoir accepté et approuvé la recommandation faite par l'ange de cette église. Mes remerciements sont élargis au révérend Smith Guillaume, évêque régional des districts de l'Artibonite et du centre. Comment oublier l'infatigable et dévoué pasteur Emmanuel Dubuisson, superintendant du district de Jacmel et trésorier du district de Port-au-Prince, auquel j'apporte un bouquet de gratitude.